Suis là. Je suis là. Yeah, les caméras vont me finir. Hein? Justice, vous savez le noir. Donc, vous êtes bipé ici. Vous êtes bipé. Hein, la justice pour Samy, là, venez voir. Les gars sont pires que le mille pattes. Tu chasses, il revient. Hein? Placement de produits. Oui. Regardez là-bas l'horizon, c'est mon Djundjura, dernier né. Oh purée. Je pense que c'est pas le dernier né. Regardez là-bas l'horizon. Vous voyez là-bas sur mon mur, mon Djundjura a fabriqué maison. Ah, vu comme il est beau, il est encore seul, hein, mais les cousins arrivent. Hein? Il est encore plus beau de près. Regardez, il est encore plus beau de près. Voilà, là on voit toute sa splendeur. Vous avez vu. Placement de produits. Moi aussi, hein. Ça marche aussi dans ce sens. C'est pour placement de produits. Et oui, placement de produits et placement. De... Ça marche dans les deux sens. Donc, l'injustice pour Samy là. Hey, maman Sarah. En fait, je crois que les gars là nous ont pas encore téléchargé le scénario. Le scénario des scénarios. Le scénario, meilleur scénario de tous les temps. Oui, il va falloir que les gars si participent, soient nominés aux Oscars. Mais les gars là, moi, il y a pâche. Donc vous allez me dire aujourd'hui, parce que en fait, il y a tellement de choses qui traversent ma tête qu'il va falloir que je pose ça ici au fur et à mesure. Il faut que je comprenne. Parce que pour que je puisse m'aligner là, il faut que je comprenne. Hein. Moi, je ne suis pas une Dunguru qui va à l'abattoir. Donc. Comment l'appelle? Commençons par Bienton. Bienton était arrivé ici avec une histoire. Bonjour à tout le monde. Bienton était arrivé ici. Bonjour, Prupru. Bonjour, ma tontine Marcel. Bonjour, ma vie. Bonjour, Vinama. Était arrivé ici avec une histoire de baseball, de batte de baseball, n'est-ce pas? C'est un peu loin. Je n'ai pas envie d'aller me palucher sur son mur. Il nous avait dit, sur un ton affirmatif, virgule, que Samy Lenoir avait été frappé avec une batte de baseball dans un hôtel de Kribi. Zéro nom de l'hôtel. La photo de la batte de baseball, rien. J'aurais dû mettre One Love ici là en bip. Bipez-nous voir One Love. Donc One Love avait dit qu'il a un témoin. Vous vous souvenez? Il va falloir un week-end entier pour passer toutes leurs bêtises là en revue ici. Toutes leurs théories là. Je pense que nous pouvons emballer la théorie là. On met en bouteille, on vend ça pendant des siècles. Parce que là, c'est la vraie chimamelu. Oh! Ouais, chez One Love, il y a une fille, une dame avait appelé disant qu'elle avait été témoin de la chose là, hein, de la version de Michel Bienton. Qu'elle avait même des photos. Je suis toujours assise ici, à cette place-ci, quasiment scellée à mon canapé, j'attends toujours. Donc One Love, toi-même, tu dois sortir, venir nous dire, tu as avoué avoir cette vidéo depuis un mois. Donc tu vas venir nous dire. Où sont les preuves de la version batte de baseball? Parce que c'est chez toi que la Jagger l'avait appelée, pas chez Michel Bienton. Michel Bienton n'a jamais apporté l'ombre d'une preuve de quoi que ce soit. Je dis l'ombre. Hein. Mais c'est lui qui ramasse des témoignages sur d'autres pages et pose sur la sienne disant que ça n'a pas de preuve là-bas. Ah, Michel Bienton. Le désordre est collectif et la sentence est individuelle. Et on ne vit pas ça par procuration, mais pour la sentence, là, non, 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 non. Pour toi, c'est pour toi. Quelqu'un ne peut pas t'aider à purger ta peine. On arrive encore à donner des jours de congé, mais faire purger sa peine par quelqu'un d'autre, moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Donc voici Michel Bienton qui a fait un poste aujourd'hui. Non, attendons, je ne sais pas dans quel sens prendre tout ça.
Dans la vidéo, One Love nous a sorti la vidéo de 34 minutes, avant et après. Martin Patrice Ndongeyebe, qui est réalisateur des corps de métier du cinéma là-bas, il y en a beaucoup comme dans la mode, donc là-bas je ne vais pas m'amuser à aller me tromper, nous a dit que aujourd'hui, allons chez Martin, hein, mon frère, bah, c'est mon bic, hein, mon bic, il était loin devant moi au lycée. C'est mon bic. Bon, en fait, c'est parce qu'il joue avec mon petit ami que lui, il est dans, mais sinon, vraiment, je ne pense pas avoir vu son dos. Il joue au basket, en fait. Mais quand il dit que c'est mon bic. Déjà qu'il n'approchait même pas. Donc, à propos du faux accident, c'est pas moi qui dis. D'abord, on n'ose même plus commenter. Maintenant, il y en a qui sont prudents. Ils n'osent même plus commenter. Pour la postérité, pas prospérité, postérité enregistrant. Il me faut d'abord, avec mon portable qui a été tontiné, de notoriété publique, j'avais ouvert ce portable ici devant tout le monde, disant merci à mes soeurs qui avaient tontiné. Apparemment, c'est devenu ou une histoire de moquerie ou quoi. Pourtant, je n'avais rien demandé. C'est comme ça que les maîtres chanteurs sont souvent. Je n'accuse pas tout le monde d'être maître chanteur, mais dans l'histoire de mon téléphone, il y a maître chanteur dans ça. Ça raconte partout aujourd'hui que ma part est cotisée. J'avais demandé, mais j'ai pris avec les deux mains, jusqu'à dire merci, j'avais déballé ça ici. C'était juste, en passant, un petit, les points sur les O, des schizophrènes de la République. Donc, voilà. Voici le poste de Yebendon. Ce sont des acteurs One Love 5, coordonnés par un signal. Lisez bien. Va revoir. Donc, il s'adresse à One Love. Ok, écoutez. Bon, voilà. Oh, pardon. Donc, voilà le réalisateur. Il fait partie du cinéma. Donc, là, vraiment, je ne m'avance pas beaucoup. Voilà. Et comme moi, je ne suis pas déjà à me tordre le cerveau, je suis restée comme ça. Il dit que moi, si là, je regardais beaucoup de films. Je regardais beaucoup de films, Donc, pour tourner ça là, le réalisateur était de l'autre côté de la caméra de surveillance, donc dans la banque. Le réalisateur était dans la banque. Face au moniteur de vidéosurveillance ou pas. Moi, pose des questions, pardon, Yebendon, si tu peux, vous pouvez me le biper pour qu'il vienne nous dire. Parce que c'est bien beau de déposer ce genre de trucs-là. Nous avons des cerveaux qui travaillent. Donc, et bien, donc, vu le contre-plongée, la caméra là, c'est celle de la banque. Donc, la caméra ne souffre de rien. C'est celle de la banque. Le réalisateur qui a donc coordonné, était où? Dans la banque. Ou bien de l'autre côté de la rue. Parce qu'il a bien fallu leur donner le top départ. Tu dis que les gars là sont dirigés, comme on dit au cinéma, sous la direction d'eux. Ils sont coordonnés par un signal. Donc, il faut que moi, pour avaler ça, parce qu'il va bien falloir que définitivement, j'accroche mon sac quelque part. Moi, il veut bien, moi je suis ouverte à tout. Je pose juste les questions. Le réalisateur était où? Dans la banque. Si quelqu'un pouvait nous ramener la façade de la banque là, pour qu'on voie quel mur donne sur la rue. Le réalisateur là était où? De l'autre côté de la rue. Moi, j'ai pas eu l'impression, quand on regarde la vidéo, j'ai pas eu l'impression que les réalisateurs soient de l'autre côté de la rue.
C'est un film savamment tourné. Le cinéma a beaucoup évolué, mais Jacques-Sensi, avec des, il aurait fallu que ce soit des cascadeurs. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je ne dis rien. Et même, sur les plateaux de tournage, là, il y a souvent de graves accidents, même avec des spécialistes de la cascade. Donc, il faut donc nous dire, là, c'est Samy Lenoir dans son propre rôle. Parce que je sache, Samy Lenoir est à la morgue. Si c'est un acteur, il faut nous le trouver. Vous nous avez sorti un gars du chapeau ici qui apparemment aurait dit quelque part que pardon, il faut le tolérer. Ne le mettez pas dans vos histoires là. Votre fameux sosie. Si c'est lui, il va falloir qu'il vienne définitivement témoigner. Il s'agit de la vie d'un certain nombre d'individus. Hein. Pas vos histoires que vous faites souvent là, à la légère, complètement bourrée. Complètement bourrée. Donc, il va falloir que tu viennes nous dire qu'il est. Si l'acteur principal, à savoir Samy Lenoir, est dans son propre rôle, et à quel moment il a tourné ce film? Donc, il a tourné le film quand on dit qu'il a eu l'accident. Hein? Dans quel but? Question de cacher sa fracture. Il faut nous expliquer, hein? Moi j'ai l'esprit hyper retort. Quand ça me dépasse moi-même, c'est que genre scénario là ne peut pas passer à Hollywood. Donc, partons même du principe, la batte de baseball et tout. Monsieur Mongwe, puisque nous sommes en Occident ici, les hommes peuvent porter le nom de leur femme, hein? Faut pas croire. C'est pas parce que vous êtes de petits machos là-bas que. Hein? Donc, monsieur Mongwe. Donc le mari de Karine Mongwe finit de taper sur Samy Lenoir au point de lui casser un bras avec une batte de baseball. Comme Samy Lenoir est complètement siphonné, mais alors, je ne sais pas où on lui avait donné quoi, le tobayobo, ou le tobasio, ou le toba au milieu, le gars décide de se mettre doublement en danger. On lui donne 1 300 000 selon une des versions de. Selon un des témoins de l'étoile caribienne. Parce qu'apparemment, on lui aurait donné entre 1 million et 1 300 000 pour qu'il se taise. Bonjour Laura. Donc, Samy Lenoir, non content de s'être fait casser le bras par son rival, le mari de Karine Mongwe, a décidé d'aller tourner un film. Pour se faire casser le bras une deuxième fois, ou pour camoufler, pour cacher le fait qu'il venait d'être tabassé par son rival de mari de son employeur. Oh, c'est compliqué là. Je crois que là, Game of Thrones à côté, ça va être de la gnognotte. Donc, il décide de jouer son propre rôle, avec le bras cassé, hein? Avec le bras cassé, double fracture, ou bien peut-être c'était juste une simple fracture, et ça c'est devenu double là-bas, après le péroulé au-dessus de la voiture grise aussi. Donc le gars, oui, vous avez une bagarre, chose qui peut arriver, mari jaloux et tout, le gars te tape avec la batte de baseball, te casse le bras. Et c'est l'acteur là qui marche les deux bras ballants. Hein? Nous allons regarder. Les deux bras sont ballants. Hein? Un bras cassé, hein, mon petit. Quand ce gars dans cette position, la douleur qu'il faut subir là pour baisser le bras. Ah non, mais bah, tous les diables. Donc, non. Le gars, trop fort là. On lui avait donné la morphine doublée. Une dose de cheval. Le gars a réussi à marcher comme ça, comme il marche là. Hop, 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 hop. Question d'aller faire tourner un film, question de camoufler le fait qu'on venait de lui casser le bras avec une batte de baseball. Bientôt, Martin Patrice Yebendon, vous êtes appelé à la barre. C'est la version avec laquelle nous allons au tribunal. Il va falloir nous situer sans aucun doute. Je suis fatigué de réfléchir sur cette histoire-là. Le film là est très compliqué. Nike.
très très compliqué. Parce qu'il va falloir que les gars nous disent à quel moment le film a été tourné. Hein. Parce que je sache, il arrive tous les jours que les gens se tapent dessus. Il y a même souvent de graves accidents. Il y en a même qui meurent sous les coups de l'autre. Donc tu finis de me taper dessus. Tout ce que j'ai récolté, c'est un bras cassé. D'ailleurs, tu me donnes 1 300 000. Au lieu d'aller tranquillement, rentrer tranquillement hein, chez moi, via l'hôpital, j'ai décidé d'aller tourner un film. Hein. Question de camoufler le fait que tu viens de me taper et tu m'as tout simplement cassé le bras. Donc la vitesse à laquelle va la voiture, si c'est le film, hein, mieux on regarde. Parce que nous avons téléchargé ça. Monsieur One Love ayant la bonne manie d'effacer ses postes. Hein? Nous nous sommes dit, autant télécharger. Voyons voir. Je vais faire passer la bande, hein, parce qu'elle dure 11 minutes. Mais je parlais de 34, pourquoi? C'est 11 minutes. Bon, allez, hop. Non, je vais tirer le curseur. Jusqu'à ce que Samy Lenoir apparaisse à l'horizon. Pourquoi même pas trop. Quelques minutes avant. Donc, il n'y a même pas de son. Ça, c'est pénible. Donc, les gars, s'ils nous disent que ceux-ci étaient en train de tourner un film. Donc, ils sont restés là 11 minutes à attendre que les acteurs arrivent. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, tirons le curseur. Il faut que je trouve l'endroit. Hein. Parce que là, j'ai un gros bus. C'est avant ou après le bus? Parce que moi, je vois rien là. Là, le bus s'est planté là depuis quelques minutes. Je vois pas. Ok. L'accident là, qui a regardé le truc intégral? Lui, je sais, toi tu as été. Et maman Sarah, je t'ai demandé d'allumer la télé. Ouais, Alexa, toi tu déranges souvent. Toi et moi là, le divorce là risque d'être prononcé plus tôt que prévu. Hein. Bon, alors, l'accident là a lieu à quel moment ici? Parce que moi j'ai pas visionné toute la bande. Il y a des moments où vraiment mon temps est précieux. Il faut que je trouve. Parce qu'il avait dit à quel moment l'accident a eu lieu. Sauf si j'ai pas la bonne bande. Hein. Parce que là, je pense, j'aurais juré qu'il y avait une bande de 34 minutes. Alors, One Love. Celle-ci dure combien de temps? 34, mais je me disais bien qu'il y avait... Ah oui, je crois que WhatsApp n'a pas pris les 34 minutes. Ok. Voyons voir. J'ai déposé ça sur WhatsApp et WhatsApp supporte un certain nombre de mégas, quoi. WhatsApp m'a coupé ça. Donc, voilà. Il parle de 5 acteurs et les gens de la banque là, ils sont quoi? Parce que moi, je vois que les gars de la banque là sont sortis, hein. Donc pendant 34 minutes, les réalisateurs étaient là. Donc Eyebe Ndongno dit que c'est un film. Il dit que Eyebe Ndongno, je te mets au défi de nous sortir. Toi qui es réalisateur là, ce genre de scène-ci, je te mets au défi. Et tourner d'un tenant, hein. Ce n'est même pas...
Action, recommençons. C'est raté. Action, recommençons. Non, 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 d'un tenant, mais les gars là, ils méritent d'être oscarisés. Tout même les lions d'or, tout ça, faut leur donner. Je pense que je suis pas loin là. Tu vois bien que qu'avant cet accident, il y a des gens qui traversent pareil, hein, par groupe. Ils traversent par groupe. Donc, dès qu'un amorce, les autres suivent. Mais comme par hasard, Samy le Noir et les autres là, non, c'était arrangé. Comme nous tous là, nous ne sommes pas nés dans ce pays. Nous autres ne sommes pas nés dans ce pays-là. Mm-hmm. Ceux qui travaillent, traversent à deux par deux, trois par trois. C'est aussi le film. Il n'y a pas pire aveugle, celui qui ne veut pas voir, que celui qui ne veut pas voir. Et pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vraiment. Je n'arrive pas à trouver l'endroit exact où a lieu l'accident pour que je mette... Ah ben voilà, voilà, regardons bien. Ben, nous sommes obligés de rester en face. Hein. Parce que là, il n'y a pas de son, mais bon, regardez bien. Bon, moi, je tremblote un peu, hein, donc je vais devoir bien caler ça. Jusqu'à ce que Samy le Noir débarque. Regardez bien. Ah, il a même mis le time code au-dessus. Bon, bref. Donc, regardez la vie. La vie, hein. Voilà la vie. Sur cette route-là. Dans tout ce temps, si les réalisateurs sont là, ils attendent que Samy le Noir et Kamdem surgissent, plus les trois autres acteurs. Bon, vous allez me dire que non, ils ont juste pris la bande comme ça, wow, bof, ils n'ont pas cherché à comprendre. Voilà, voilà, les voilà qui surgissent. Vous avez vu de l'autre côté là-bas. Hein? Moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient dirigés. Hein? Voilà. Hop. En jaune. Hein? Bon, maintenant, je vais prendre des gants. C'est censé être Samy le Noir. Donc, voilà. Apparemment, ces gens-ci sont dirigés. Même ce monsieur-là, voilà, qui évite la voiture. Vous avez vu? Parce que cette femme-là a failli écraser le monsieur en bleu derrière là-bas. Voilà, c'est un acteur. Oui, c'est un acteur. Bon, après, il y a les arbres qui cachent. Donc, voilà le vigile là, qui est sorti. Bah, lui aussi fait partie du film, quoi. Non, c'est un acteur. Ce sont des acteurs, voilà. Voilà des curieux qui arrivent, ce sont des acteurs. Voilà un autre vigile. Voilà des vigiles de la banque qui sortent. Non, non, mais c'est un acteur. Ce sont des acteurs. Ou bon, ils se sont fait... hein, on les a trompés, quoi. Hein? Voilà les curieux. Hein? Voilà les gens qui courent pour aller vers eux. Ben, tiens donc, c'est du cinéma. C'est du chiqué. Donc, partant de cette scène-là, Samy le Noir sort de là avec un bras cassé. Pour la deuxième fois selon Biemtan. Parce que pour Biemtan, c'est une batte de baseball qui a cassé le bras Samy le Noir. Donc, je me demande pourquoi ce Samy le Noir est venu jouer son propre rôle.
si ce n'est pour se casser, casser le bras une deuxième fois, et avec ce genre de violence, hein. Parce que moi, j'ai pas l'impression que ce soit du chiquet. Hein. Je n'ai pas l'impression que ce soit du chiquet. Donc, comme Samy Lenoir était complètement timbré, bah, il a décidé de risquer sa vie, quoi. Question de camoufler le fait que, bah, il avait reçu un coup de batte de baseball, mais il avait eu la chance de s'en sortir avec un bras cassé. Il s'est dit, bah, pourquoi ne pas rajouter par-dessus le fait d'être percuté par une voiture? Étant donné que je suis en titane, et qu'on enlevait sur la voiture la chose qui tue, bah, je vais m'en sortir les doigts dans le nez. Vous prenez, mais quand vous parlez même là, vous vous rendez compte que vous faites passer le gars de Trulli pour un abruti fini. Parce que vous allez nous dire, si ça va, Samy Lenoir, c'est un acteur, il faut nous le trouver. Parce que devant un tribunal, on ne va pas vous croire sur parole. Vous allez devoir apporter des éléments. Parce que jusqu'à présent, là, hein, nous n'avons pas vu la batte de baseball. Nous ne savons pas dans quel hôtel ça s'est passé. Par contre, la partie adverse, du moins, les enquêteurs disent que voici le film de l'accident. Samy Lenoir, photo à l'hôpital de Kribi. Samy Lenoir, coup de fil à sa copine, selon son ex-copine, disant qu'il a eu un accident et qu'il va à l'hôpital de la Caisse. Notre voice, la voix de Samy Lenoir, selon les dits, il avait déposé ça sur Snapchat, disant qu'il a échappé. Il a été violemment percuté par une voiture. L'hôpital de la Caisse a sorti un communiqué disant avoir reçu ce monsieur, l'avoir opéré. Donc, vous allez nous dire définitivement qui est acteur ici. Si ce n'est pas Samy Lenoir, la personne-là lui ressemble dangereusement. Et la personne-là, l'acteur-là est où? Parce que vous savez tout, hein? C'est vous qui avez la bonne version, moi je vous l'accorde. L'acteur-là est où? Il va falloir nous le trouver, c'est le témoin majeur. Il va devoir dire qu'il a payé pour qu'il joue à Samy Lenoir. Parce que là, vraiment... C'est vous qui avez dit qu'on ne peut pas être percuté comme ça et s'en sortir seulement avec le bras cassé. Donc, le gars-là doit être dans un piteux état. Il faut nous le trouver. Oui, c'est vous-même qui avez dit hein, que non, 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 on l'a percuté et il n'est sorti de là qu'avec un bras cassé. Gna, 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 gna. Il n'a même pas le pantalon déchiré. Donc, selon vous, là, étant donné que cette voiture-là, ce n'est pas une trottinette, quand il dit une trottinette, ce n'est pas une poussette, hein? Elle ne va pas deux à l'heure comme mes deux pinces-là. Cette voiture-là se déplace minimum à 30. Minimum à 30. Cette voiture-là se déplace. Donc, il y a quand même eu un petit choc qui, selon vous, est violent. Et on devrait sortir de là dans un, de là dans un piteux état. Donc, vous allez nous trouver. Le cascadeur, là. Vous allez nous le trouver. Il ne suffit pas de dire que c'est du fake. Apportez-nous des éléments parce que abîme tes foires. Je suis fatiguée, donc je ne vais pas développer longtemps. Apportez-nous les acteurs. Je ne dis même pas amener parce qu'il doit être dans un seul tas. Il faut nous apporter les acteurs. 5 acteurs ne disparaissent pas comme ça. Parce que c'est vous qui dites que oh oui, il y a eu ceci, il y a eu cela, ça n'a pas été filmé. Quand bien même ce serait du chiquet, les gens n'ont pas filmé, pourquoi alors? Parce que maintenant vous dites qu'il y a quand même eu quelque chose à ce niveau-ci. Quelque chose s'est passé ici à ce niveau. Et pourquoi les gens n'ont donc pas filmé? J'ai l'esprit retors, je vous l'ai dit. Parce que vous dites que oh, vous refutez la thèse de l'accident. Vous refutiez la thèse de l'accident. Maintenant que la bobine est là, 34 minutes sur cette Russie, vous dites que oui, la scène a bien eu lieu, mais ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs. Donc, quelque chose s'est passé là. La scène là s'est passée, même si c'est du chiquet. Comment se fait-il donc que les riverains n'aient rien filmé? Je m'adresse au Sanizar de tous bords. Et ne vais pas plus loin parce qu'il y a trop de questions, une à la fois.
Je répète. Il y a des Samizdat qui ont dit qu'il n'y a jamais eu accident au. La bande est sortie 34 minutes. Il y a une partie des Samizdat maintenant qui disent que ça là c'est un film. Donc il s'est passé quelque chose à cet endroit là, mais c'est un film. La bobine, c'est le bon enregistrement, c'est un vrai enregistrement. Sauf que ce sont des acteurs. Pas, vous voulez que vous repasse le poste de Yebendon? Il ne faut pas qu'elle pose beaucoup de questions, une à la fois. Qu'ils répondent au prochain direct ou à la prochaine publication. Donc, c'est Martin. Je ne m'adresse pas à Biemton parce que lui, je crois que le foie lui est monté au cerveau. Donc, et ben non, je parle du. Tu réfléchis encore un peu. Tu as en Italie, là, le climat tempéré. À propos du faux accident. Ce sont des acteurs, One Love. C'est écrit, hein? C'est écrit. « Va revoir la vidéo. Tous ces figurants commencent à jouer pleinement leur rôle lorsque la moto... » Nous sommes partis de « Il n'y a jamais eu accident. » Hein? Il y a eu tournage d'une scène de cinéma. Comment se fait-il donc que il y a eu tournage, il y a quand même eu des scènes, fussent-elles organisées à cet endroit-là et que aucun cribien n'est filmé? Parce qu'eux, ils n'étaient pas censés savoir que c'est du chiquet. Non, il y en a qui ont dit qu'il n'y a jamais eu accident. Comment se fait-il qu'il y ait eu accident et que personne n'ait filmé? Aujourd'hui, c'est le serpent qui se mord la queue. J'ai l'esprit très retors et encore, je n'ai pas encore commencé à développer. Donc, je vous renvoie la question. J'ai décidé d'être bête comme hier. D'être exactement au même endroit que vous, en train de nier l'évidence. Donc, je vous renvoie ça au visage. Maintenant que vous reconnaissez qu'il y a eu un accident chiqué, ça veut dire que organisé à cet endroit-là. Pour le commun des mortels cribiens, c'était accident, hein? Du moins, ça y ressemblait, jusqu'à ce qu'on leur dise, ah non, coupé, c'est du cinéma. Donc, comment se fait-il qu'il y a eu un accident organisé? Et que le vendeur de soya, la colboxeuse, les piétons, et n'est pas filmé. Vous qui adorez les films. Depuis quand au Cameroun, il y a un accident et personne ne filme. J'ai décidé d'être bête comme hier. Exactement. Au même endroit que vous, en train de dire que il n'y a jamais eu rallye. Il n'y a jamais eu accident parce que personne n'a filmé à part la caméra de la banque. C'est tout ce que je dépose parce que c'est bien assez déjà. Donc j'attends le développement. Et Yabendon, va t'entendre avec tes collègues. Apportez-nous la réponse. Nous menons l'enquête, non? Dieu Seigneur, nous avons inversé les rôles, non? Le fantôme de Bob Lee, peut-être que toi tu vas nous dire, parce que Samy le Noir est de l'autre côté, bon, c'est vrai qu'il n'a pas encore complètement traversé, mais dis-lui qu'en bas, je t'attends vite ici pour que tu me dises ce qui s'est passé, parce que les vivants là-bas, eux, ils donnent dangereusement mal à la tête à ceux qui sont censés. Oui, vous savez que la bêtise, il n'y a pas le monopole de la bêtise. Personne n'a le monopole de la bêtise. Faut pas croire. Donc, les Samizdat, là, ceux qui disaient que, oh, il n'y a jamais eu accident, c'est du chiquet, il fallait s'arrêter à c'est du chiquet. Hein. Maintenant, vous avez un réalisateur qui a décidé de vous dire que c'est le film, comme avec l'histoire de Toudi, que c'est le film. Donc, il y a eu un accident simulé. Où sont les acteurs? Amenez-nous des acteurs.
A priori, l'acteur là, celui qui incarne le rôle de Samy doit être dans un sale état. Dans un sale état. Parce que, sauf si c'est Samy, si c'est Samy, vraiment, c'est que Samy là était Ndunga jusqu'à. Il a décidé, il était maso. Il s'est retrouvé le bras cassé et il a décidé. Parce que regardez, hein, le gars marche comme si de rien n'était. Hein. On est censé avoir cassé le bras de Samy avant un mois et dit ça pour rien. Parce que pourquoi est-ce qu'ils auraient tourné ce film? Si ce n'est pas pour cacher le fait que le mari de Karim Mungwe avait cassé le bras à Samy. En même temps, il avait 1 300 000 dans son pantalon, là. Moi, je soupçonne même Kamdem. Kamdem a sûrement, lui a sûrement fait les poches après l'accident. Mais je ne comprends pas. Bon, bref, il va falloir nous remettre ça à l'endroit. Il ne suffit pas de venir poser l'espèce de, je ne sais pas, de. Je sais pas, de nourriture fermentée issue de votre intestin grêle là sur la place publique en guise de quoi d'accusation. Même si ça refoule, nous allons sauf que rester devant là. Vous allez venir nous dire. Vous allez nous dire. Comment se fait-il que personne n'ait filmé votre scène là? Comment ça se fait? Dans un pays dans lequel tous les accidents sont filmés. S'il n'y a pas d'enregistrement issu d'un téléphone d'un passant et qu'il n'y a pas eu accident, les gars, c'est votre thèse. Hein? C'est votre thèse. Donc, dites-moi donc pourquoi est-ce que Hollywood, si, Cameroun, si, n'a pas été filmé. Selon Yébendon, hein? Les gars là sont dirigés, la scène a bien eu lieu, hein? Mais c'était une scène de cinéma. Comment se fait-il donc que les riverains n'aient rien filmé? Si tu n'entends rien, les oreilles, c'est comme le fion. Ça se nettoie. Hein, Manda. Oui, les oreilles, là. Quand tu es sous la douche, là, tu fais aussi ça. C'est comme le derrière, ça se nettoie. Donc, tu n'as plus qu'à aller nettoyer, tu reviens. Je suis encore assise là quelques minutes. Ou tu nettoies. Le direct ne sera pas effacé. Tu viens réécouter. Ça te convient? Appelez-moi Dibanque. Appelez tout ce beau monde-là. Appelez Micheline Tchatchoua. Peut-être que ça va lui permettre de déposer un tout petit peu mon nom. Appelez-les, je les cite. Manoron. Étant de luxe. Appelle ton copain 100 ans de retard. Toi, tu as renié One Love. Christine Mirabel, pareil. Hein? L'autre là, celle qui me prend pour sa, comment on appelle, pour sa rivale là, je ne sais pas où elle et moi avons lorgné le même plantain. Apparemment, dans sa tête, c'est ce qui s'est passé. Sabine, comment on prononce même ton nom là, si c'est Bédion, si c'est Becky là, hein, la mère. Dans ta tête là, toi et moi, nous sommes un jour retrouvés face au même pantalon, je dis bien dans ta tête, viens nous expliquer. Qui d'autre? Ah, ah oui, oulou! Yumbi. Solange Yumbi. Des personnes qui me voient dans leur cauchemar pourtant, mais alors. Solange Yumbi. Qui d'autre? Venez donc me dire comment se fait-il que. Et bien donc, c'est votre thèse. Hein? Et bien donc, dit qu'il y a bien eu action, mais c'était du cinéma. Comment se fait-il que ça n'ait pas été filmé? Il ne suffit pas de prendre mon nom, mettre ça en guise de tabac à chiquer. Mon nom est facile à gérer, mais moi-même, je ne suis pas facile. Même pas un sou. Depuis que je suis assise ici, vous avez dit que ma mère cherche le service après-vente. Mais comme vous autres là, vous ne savez pas que les oreilles, ça se nettoie. Ou vous avez pris votre trou de balle, vous avez mis en guise d'oreille. Oui, Bertini, vous avez pris votre trou de balle là, vous avez des trous là, mais. Ce sont des trous d'évacuation. Ce ne sont pas des trous qui mènent à l'oreille interne, à tous ces osselets-là et tout ça. Hein? Pour faire entrer le son. Non, 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 non.
ou pour vous, là, votre conception là n'était pas finie, on vous a fini à l'eau chaude ou à l'urine, je ne sais pas. Donc, c'est cette espèce de groupe de filles trop caressées. J'ai l'impression qu'elles juste tout le temps là. Elles sont avec mon nom dans la bouche. Mon nom est facile à mettre dans la bouche. Ça, ça mange même pas de pain. Mais quand la propriétaire du nom décide de vous gérer, les postes vont commencer à tomber comme... hein? On dit souvent qu'il pleut comme vache qui pisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment des personnes sensées peuvent sortir autant de bêtises par seconde? Bonjour, Aboubakari, Abakoura, ça va, je fais aller. Vous pouvez m'expliquer? Vous savez que même en matière de justice, quand on se retrouve devant une impasse, on laisse tomber au lieu de condamner un innocent. Vous le savez ça. Il y a des histoires devant le tribunal dont on ne connaît pas toute la vérité. On en connaît une partie, donc on peut condamner avec une partie de l'histoire. Mais il y a des moments où on a même toute l'histoire, on ne peut pas condamner quelqu'un. Ce que nous faisons là, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Et c'est inacceptable. Aucune société ne fonctionne comme ça. Aucune. Parce que vous passez votre temps à émettre des hypothèses. Donc, vous n'avez jamais apporté l'ombre du commencement d'une preuve. Mais tout ce que les autres peuvent poser sur la table est du fake. Vous avez vu ça dans quelle société? Vous avez vu quelle société fonctionner comme ça? Hein? Vous dites que ce n'est pas ça. Mais vous n'avez pas l'ombre du commencement. Même pas, mon Dieu, les balbutiements de la chose. Bien ton, tu as la batte de baseball. Même le nom de l'hôtel, tu n'as pas déposé ici. Dans un hôtel à Kribi, et encore heureux, tu as le nom de la ville. Dans un hôtel à Kribi. C'est sur cette base que nous devons condamner, nous devons envoyer Karine Mungwe à Nebel ou à Choléré ou à Mfou ou à Konengi. Sur cette base-là. Tu n'as apporté aucun élément toi-même. Voici bien ton qui. Voilà, voici le poste que bien ton fait. Bien ton reprend des soi-disant témoignages, quasiment au début, hein, chez la baronne, qui a déposé ça au bout d'une semaine, en gros. Il a publié ça aujourd'hui. Nous allons écouter. Mais pourquoi est-ce que c'est plus là? Il a fait une publication aujourd'hui, elle est passée où? À tous les diables, tu l'as pas fait partir. Hein, bien temps. Alors, il est où ici? Bien temps. Pourtant, j'ai lu ça tout à l'heure là. T'en as fait quoi? Hein? Non, dis-moi pas que t'as enlevé. Je risque de trop rigoler. Non, Michel, bientôt, tu n'as pas enlevé ta publication. Ça, c'était il y a 2 jours. Mais tu as sorti un truc tout à l'heure avec le témoignage soi-disant témoignage d'une personne qui avait déposé sa part chez la baronne de Suisse. C'est passé où? Ce matin, j'ai bien vu la lettre, j'ai même ouvert. J'ai passé un bout ici à midi. C'est où non le bœuf? C'est où? Ou c'est moi qui ne sais plus regarder? Je suis bien. Je suis bien ton là. Hein? Pas rêvé. Hein? Wonderful.
Il était employé chez Carimo, oui, on veut bien. Et ensuite, mais encore, je trouve pas. Si vous vous trouvez, pardon, dites-moi. Très intéressant. Il n'a apporté aucun élément lui-même. Hein. Il n'a pas, il n'a pas mené d'enquête. Il sillonne des directs, prend tout et n'importe quoi, met sur sa chaîne. Tout et n'importe quoi, met sur sa chaîne. Voilà. Le journalisme est devenu quoi? Une gestion de faits divers. La vue de l'esprit de chaque Camerounais. Voici le PV de l'accident fabriqué par Karimo. Le PV fabriqué par Karimo. Nous sommes trop, trop forts. Ah, je trouve pas. Voilà. Le mari turc de Karine Mongué, Karimo, détestait Samy Lenoir. Voilà un journaleux. Maman Karine Mongué, si tu ne portes, tu ne portes pas plainte, ça va, Timon? Pardon? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, t'as rien dit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai juste salué, Lulu. Ah, mais bonsoir. Oui, mais tu répètes pas. Toi aussi, c'est ta faute après. Oh. Bon, allez, je Pas de rentre. scène de ménage, de grâce. Mais j'ai rien fait, on m'attaque. Je comprends Non, pas. je trouve pas cette vidéo, c'est bien dommage. Je me sens Hein? agressée dans ce pays. Peut-être que je cherche pas bien. Je suis noire. Je t'accorde le bénéfice du doute. Parce que même sur les alertes, là, je ne vois plus. Hein, mon frère? On peut faire ça. Moi, attends seulement la réponse, je suis assise ici. Parce que ne compte pas me déclencher une rupture d'anévrisme. Venez d'abord répondre. Comment se fait-il que personne n'ait filmé votre faux accident? Parce que c'est faux selon vous, hein. Le vrai accident n'a pas été filmé par les riverains, même le faux là. Petite plaine. Pardon. Si les gars-là ne disent pas quand ils sont convoqués, la mère, il faudra nous dire à nous. Il faudra nous dire. Abîme tes foies. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Je serais allée écouter Ndianga Moto, l'étoile caribienne. Non, non, Bienton a pris ce que quelqu'un avait dit là-bas et a fait passer ça sur sa chaîne YouTube, a publié ça sur sa chaîne YouTube. Je ne sais pas, peut-être qu'il a enlevé ou c'est moi qui cherche mal. J'attends juste la réponse. Faudrait que Michel, il a dit Michel, que Martin, Patrice Ndongue viennent nous dire pourquoi est-ce que cet accident n'a pas été filmé. Parce que en ce qui concerne plusieurs Camerounais, tout accident dans ce pays-là doit être filmé. Si ce n'est pas filmé, il n'y a pas eu accident. Donc, est-ce que lui qui reconnaît qu'il y a eu une scène, il y a eu quelque chose là, dans cette rue ce jour-là, pourquoi est-ce que ça n'a pas... Et ça ressemblait à un accident. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été filmé? Ouh. Vous avez vu ma souffrance ici? Vous avez vu le doigt de l'autre là? Ça va, je t'ai touché bien, on dirait que je t'ai mis par terre. Oh la Je t'ai mise par terre. vie. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Non? Le Ah. français n'est pas élastique. Ça veut dire quoi? J'ai dit mise par terre? Mais Je j'ai juste t'ai dit. mise par terre. Oui, mais j'ai dit mise, c'est bon, c'est pas. The. Oui, bah d'accord, mais ça va, je sais que je suis une femme, hein, c'est bon. On va arrêter, là. C'est quoi encore? Non, c'est moi qui suis mise par terre. Je sais que tu es une femme aussi, ma maman, jusqu'à preuve du contraire, tu m'as accouchée, hein. Ouais, la mauvaise foi des Camerounais. Je veux t'appeler papa? Même ceux qui sont nés à l'étranger sont preuves de mauvaise foi, c'est terrible. Hein. Comment ça, de la Le sang mauvaise foi? là, le sang là est fort. Dit-elle. Eh, t'es culottée, hein. Moi, je dis que c'est ça, ça vient de toi. C'est Cameroun, pour culotter. Allez, là, prends ça.
connais Lulu? Oui. Est-ce que je t'ai déjà montré cette vidéo? Mouata! C'est là que j'éclate l'ampoule, t'imagines? Vous avez travaillé sur les images à l'école? Ouais. Tu peux reconnaître une fausse scène. Une fausse scène? Ça veut dire quoi ça? Montre-moi. Il y a quelqu'un qui nous dit que ceci est un film. Du moins, que ce sont des acteurs qui sont dirigés. Ça dépend pas si c'est bien joué, hein. Bah dis-moi si toi tu trouves que c'est un film. Pourquoi ça y est pas? Bah je sais pas. Bah je préfère ne pas te... Oh là. Ouais mon... Là, je suis pas influençable non plus, hein. C'est la vidéosurveillance, hein. Regarde jusqu'à ce qu'il y ait un monsieur en jaune qui traverse. Je crois qu'il va pas tarder là. Faut pas que je te mette trop long. Regarde là. Je crois que c'est après. Tu me dis ce que tu en penses. J'ai juste une caméra de surveillance. Comment tu peux faire en active? Bah, s'il te plaît, tu peux parler beaucoup plus fort. Je dis c'est une caméra de surveillance. Comment ça peut être en acting? Enfin, quoi que, ça peut bien être des gens. Bah, j'ai posé la question que le mec, le directeur était où? Parce qu'il faut bien diriger les acteurs, hein. Il se met en jaune, là. Bah, il va arriver, là, il va débarquer. C'est une caméra de surveillance, donc c'est 34 minutes. La scène ne dure que, bah, du genre 30 secondes. Tu le vois toujours pas? Je suis pas sûre d'avoir posé le curseur au bon endroit. Bah là, parfois, je vois pas la scène, mais ça va plus. Bah, j'espère. Ouais, ça va faire 35. Ils sont bien compliqués, la tâche. Hein? Ils auraient pu prendre une caméra, filmer, comme un téléphone filmé. Non, non, ils ont utilisé... Oui, ils ont utilisé la télésurveillance de... Ça veut dire que la banque, quelque part, par quelque part, ça veut dire qu'ils avaient un complice dans la banque. Hein. Bon, quel est votre accident là? Parce que moi, pourquoi est-ce que je me serais compliqué la vie? Comme tout accident est filmé au Cameroun, bah, j'aurais attendu que la scène, voilà, j'aurais filmé avec mon téléphone. Pourquoi se compliquer la vie à trouver un complice dans la banque? Ah, voilà, le mec en jaune. Le mec en jaune, t'as vu? Dites-moi. Moi, je veux bien avoir l'esprit retors. Hein. Quelques téléphones posés là auraient bien servi à capter l'image. Mais non, il a fallu que... avec l'esprit vraiment tordu. Et en quelques temps, hein, je pars du principe que bon, c'est le hasard qui a voulu qu'il y ait bagarre. C'était pas préparé. C'était pas prémédité. Ils ont eu le temps à quel moment de trouver un complice dans la banque là. De savoir même que la caméra est posée là comme ça. De sélectionner cette banque là comme endroit de la réalisation. J'ai pas vu l'accident. Je l'ai vu passer, mais quand je veux, il est retourné vers l'arbre. Oui, bah parce qu'on le fauche beaucoup plus loin. Ah. Donc, et il dit que la scène là, du moins. Donc là, on va l'écraser. Mais oui, mais. Si et non, il dit que ce sont des acteurs. Oui, mais on l'a pas vu qu'on l'a écrasé, genre, on l'a pas vu. Oui, beaucoup plus loin. Bah alors c'est bête, pourquoi prendre une caméra de surveillance? Non, parce qu'il y a un autre endroit où on a zoomé et on voit bien la scène. Je sais pas, hein, je vois pas ce qu'il y a d'acting là-dedans, on met qui passe, genre, un autre truc. Ou quand je vais trouver Il y a pas mal de complotistes sur cette planète, hein. Genre, je veux dire, ça arrive. Tu vois, ce mec qui est avec. Là, ce sera pas de l'ordre du complot, tu vois, ce mec qui est à la poêle là. Je sais pas. What the? Non, je rigole. Je m'en juste ma porte. Mais je vois pas quel acting. On dirait qu'il faisait quelque chose de grandiose. Je sais pas. C'est toi qui dis que c'est pas quelqu'un est mort, hein. Le monsieur là, il est décédé. Hein. Bah en plus, il est mort. Quel acting avec un mec qui est mort. Ah non, mais bah, moi je sais pas. C'est pour cela que je suis là pour qu'il nous explique. Faut arrêter d'être un petit peu complotiste sur les morts. Le monsieur, il est mort. Encore s'il y avait eu un accident et qu'on avait juste. Quelques dégratignons, pourquoi pas? Non, en fait, il a eu le bras cassé. Mais il est pas mort. Il est, suite à une mauvaise prise en charge, il est sorti les pieds devant. Avec un bras cassé? Il a eu une fracture, une double fracture, il fallait l'opérer. Hein. Il n'a pas survécu à son. Du moins, il s'est réveillé, mais apparemment, il a fait. C'est un acting. C'est parti d'un acting, hein, comme tu dis. Hein. Ouais,
Pourquoi? Bah, ma fille dit pourquoi? C'est du sarcasme. Hein? C'est bien la fille de sa maman. Attends, je vais te montrer le truc, le plan resserré. Hein. Mm. Je sais pas si je l'ai là. Bon, allez la famille, moi c'est l'heure de faire dodo. Viens regarder là, Thibault. Voici ça. Bon, là, c'est la photo. Non, là, c'est une photo. Mais je me souviens qu'il y avait deux... Il y avait un plan plus resserré. Il y avait un zoom, non? Je pense pas que ce soit la version zoomée, ça. Regarde, ils disent que c'est du chiquet, ça. Mmh. Ah ben, ma fille, elle a hurlé. Oui, personne qui a réagi, what the fuck. Il y a des cascadeurs au Cameroun? Bah, j'en sais rien. Là, je sais pas. Sacrée cascade, hein, Lulu. C'est un bizarre hein, de prendre cette prise de risque pour Black Tea. Viens voir, mais il y a même. Non, là, c'est. Je trouve ça bizarre. Hein, des prises non, là, c'est là, c'est une photo. Mais il y a un plan plus resserré. Hein. Ouais, bah, je vois, mais bon, pour moi, ça parle de Black Tea. J'ai dit, c'est une grande prise de risque pour ce genre de truc. C'est une grande prise de risque pour ce genre de truc. Même ma fille dit qu'il y a de sacrés acteurs au 237. Mm-hmm. Le mec, il est mort. Mais... Ah, Ludmila, mais je sais pas. Je suis là pour que ces gens-là nous disent si c'est l'homme qui est couché à l'hôpital ou bien si c'est un acteur. Et si c'est un acteur, franchement, tout Hollywood l'embaucherait. Hein. J'espère qu'on l'a bien payé, ouais. Ma fille dit qu'elle espère qu'on l'a bien payé. Hein? La famille. Et pourquoi faire en fait tout ça? C'est bien beau de... Je ne sais pas, ma fille dit pourquoi faire tout ça. C'est bien beau, on a pris des acteurs et tout, mais du coup, c'est pourquoi faire un accident de la route. C'est pourquoi du coup? Je ne sais pas, c'est pourquoi faire un accident de la route. D'accord. Question de Lulu. Je ne fais que... Voici le plan resserré, regarde Lulu. Mais ça... Non, j'ai vu, mais... Non, j'arrive plus près, regarde. Oui, mais j'en vois pas l'utilité de faire un accident de la route et que ça soit un acting. Je comprends pas l'utilité. En fait, si c'était à l'encontre de quelqu'un et tout ça, j'aurais pu concevoir que, tu vois, on aurait pu remettre ça en cause. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun contexte. C'est des gens normaux. Non, c'est que... L'histoire, c'est que... Il y a un monsieur jaloux qui a découvert que l'employé de sa femme et lui et elle, cuicuiquaient. Mais du coup, c'est vrai. Non, il a tabassé avec une base de baseball, lui a cassé le bras. Oui, du coup, c'est vrai tout ça ou c'est juste et ensuite, qu'on a spéculé. Le monsieur ou un acteur sont allés tourner ce film. D'accord. Ou un acteur, du moins, le sosie du monsieur ou le monsieur et quatre autres personnes ont tourné ce film. Je continue à te dire que même en expliquant compte tout ça, je veux savoir en fait quel est le lien, le rapport, pourquoi. C'est un peu tiré par les cheveux, hein. Même les films indiens, ils sont pas autant, inventifs là. Enfin, pourquoi pas, hein, mais c'est bizarre votre histoire. Hein. C'est pas mon délire. Moi, je comprends pas l'utilité. On parle ma fille ne comprend pas l'utilité, comme moi. Si dans la route, vous vous trompez, il y a un tabassage, je comprends pas le lien. Il y a pas de lien. Et on parle de faire un acte. Pourquoi s'être donné autant de mal? Ma fille dit que c'est le délire. Donc, je laisse cette question-là. Ça vaut ce que ça vaut. Hein? Michel, Martin et Yébendon. Pardon, dis-nous pourquoi est-ce que cette femme-là se serait donnée autant de mal. On va manger du poulet et des frites ce soir. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que, bon, les frites. Le poulet-là, qui est mariné, tu peux le mettre au four, s'il te plaît. Finalement, on va manger... Même pour le mettre au folu. Non, je vais mettre plus tard. Il faut que je mette du gras. Je suis en train de... Mais oui, je veux dormir. Mais hey, le poulet, là, il ne va pas être cuit là en deux minutes. Hein.
mais je sais pas combien on est, mais maman. Bah je vais venir mettre, je coupe le direct, je vais mettre. Fatiguée. Que je cesse de déranger ma fille avec Sim, quand même, non. Elle me dérange pas, c'est juste vos histoires, elles sont bizarres. Au bout d'un moment, faut. Oh là là, mais au bout d'un moment, faut commencer à se concentrer sur des choses plus importantes hein, que de faire des spéculations. Là. Oh là là, mais c'est trop. Le mec, il est bizarre. Oh. Mais pourquoi est-ce qu'elle me dispute, moi? Vraiment, le mec, il m'en faut peu, là. Oh là là, c'est trop. Maintenant, c'est moi qui prends tout. Bah, je sais pas, hein. C'est bizarre, là, vos centres d'intérêt. Là. Donc, tu cuisines? Ben, c'est pour moi, parce que je mange vite fait, là, un petit toast. Un petit toast? Ouais. Avec, ouais. Autant il y a du jambon et tout. Oh non, mais j'ai dit un toast, pas un sandwich. J'ai pas envie de manger un truc au fromage, moi. Tu n'as pas le droit? Tu veux pas? Mais je peux le ranger. Ah, moi, je pose juste la question. Allez, la famille. Bah oui, mais ta question, sur du ce... coup, elle me tue. Dommage. Bah, Kigali, c'est ça que tu dis petit comme ça. C'est toi qui vas faire le poulet. Chacun a sa part de médicaments dans ce bas monde. Voilà ma part qui vient de débarquer. Ma vie est finie comme ça. Moi-même, je vais devoir tourner mon petit film là. Hein? Je vais devoir prendre un acteur pour faire croire que j'ai sauté du troisième étage. Pourquoi faire? Moi-même, je ne sais pas. Allez. Bon après-midi. J'attends la réponse. Hein. Sinon, je vais rajouter une autre question par-dessus. Et le jour d'après, une troisième question. À la fin de la semaine-là, nous allons nous retrouver avec 5 questions. Donc, mieux évacuer ça au fur et à mesure. On est d'accord? Parce que rien que ça, même dit à ma fille, en quelques secondes, elle a mal au cerveau. Même un muet, oui, carrément un bijou, même un muet finit par trouver, par trouver l'utilisation de sa langue face aux affaires du 237. Et là, Yobé Zamba. Oui, pour nous, n'est jamais simple. Tordu à souhait. Pourquoi faire facile? C'est un dicton que nous utilisons souvent ici en français. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? C'est bien français. Pour les Camerounais, allons dépasser pour les Français. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Allez. Bien bas. Je vous salue. Pourquoi David? Pardon. Les chiens ne font pas de chat, n'est-ce pas? Elle est pire que moi. Elle est pire que moi. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis un cadeau à côté. Oh, ouais, que j'aime. Et en plus, dans ces veines-là, le sang qui coule dans ces veines-là, le mélange-là, est pas petit, hein. Même mon batomique-là, c'est petit. Allez, la famille, à demain. Ciao, ciao. J'ai failli jeter mes galettes bretonnes. À demain, roi David. Bon après-midi. Bonne soirée à toi.